Salut tout le monde, c'est Shooters, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Watchdog pour vous présenter une petite astuce qui vous permettra d'avoir de l'argent en illimité rapidement et facilement. Donc pour commencer vous allez ouvrir votre téléphone et vous rendre dans l'arbre des compétences. Une fois dedans vous allez aller dans la catégorie de piratage. Et donc là vous allez vous acheter les trois compétences que je suis en train de vous montrer à l'écran. Donc vous allez vous acheter la compétence boost de piratage de distributeur, la compétence optimisation du profiler, et la compétence super boost de piratage de distributeur. Une fois les trois compétences achetées, vous allez vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo. Et donc pourquoi ici exactement? Et bah tout simplement parce que c'est ici l'un des seuls endroits où il y a beaucoup de monde qui a énormément d'argent par rapport aux autres endroits. Et donc vous pourrez ainsi leur hacker beaucoup plus d'argent que d'habitude. Et donc une fois à cet endroit sur la carte, vous allez tout simplement courir dans la rue et hacker les personnes qui auront un carré bleu au-dessus de leur tête. Donc c'est les personnes qui ont de l'argent que vous pouvez hacker. Donc les sommes que vous allez hacker au personnage, ce sera vraiment aléatoire. Donc des fois il se peut que vous gagnez 15 000 $ et d'autres fois il se peut que vous gagnez que 1 000 $. Donc là vous allez vous demander pourquoi je reçois pas de suite l'argent des comptes bancaires que je viens d'hacker. Donc il faut tout simplement se rendre à un distributeur d'argent pour récupérer l'argent que vous avez hacké. Donc normalement les distributeurs sont indiqués par une espèce de carte bancaire sur la carte. Donc là j'ai eu que 48 000 $ tout simplement parce que la manip je l'ai fait que 2-3 minutes donc c'est pas énorme. Donc maintenant je vais vous montrer un autre endroit où on peut gagner encore plus d'argent plus rapidement. Donc là pareil, une fois que vous y serez, vous allez hacker un maximum de personnes et une fois que vous aurez marre de hacker des personnes, vous allez tout simplement vous rendre au distributeur pour retirer de l'argent. Donc moi j'ai carrément eu 100 000 $ sur ce coup. Donc personnellement, moi je vous conseille d'aller à cet endroit-là sur la carte que à l'autre endroit que je vous ai montré juste avant parce que ici il y a beaucoup de monde qui a beaucoup plus d'argent. Et donc on approche de la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vais vous laisser sur la fin de la vidéo et je vous dis à tous à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.